Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une heure et quelques minutes durant lesquelles nous allons réaliser cet exercice autour de la Terre et de son invasion par les Space Invaders. Une Terre relativement innovante puisque nous allons réaliser l'ensemble de ces matériaux dans Cycle, avant tout pour bénéficier de l'accélération GPU de ce fabuleux moteur de rendu. Un tuto euh, où nous parcourons aussi les bases de l'animation pour pouvoir euh, exécuter euh, le, le rapprochement de la caméra sur la Terre avec une Terre en rotation. Les nuages également en rotation autour de la Terre, légèrement plus rapide, ce qui rend la Terre vraiment très vivante. Et puis l'arrivée finalement des Space Invaders dans le champ de la caméra. Un montage relativement simple puisque euh, il y aura évidemment un petit peu de motilisation, et de passage de matériaux. Vous le voyez, euh, un minimum d'éclairage également pour apporter euh, apporter un peu de de vie à la scène. Euh, nous passerons euh, également par, alors tout l'aspect as, matériaux dans Cycle, vous verrez, on ira évidemment bricoler un petit peu les nodes et puis en phase finale, on viendra évidemment faire le node compositing traditionnel pour pouvoir rendre euh, l'atmosphère terrestre avec ce léger halo et ce, cet effet bloom, pour pouvoir euh, mixer ensuite nos Space Invaders et euh, l'arrière-plan spatial qui permet de euh, d'apporter encore un peu plus de réalisme à Ensemble. Nous finaliserons l'ensemble par un petit aperçu de la création de ou même de la production de vidéos directement dans Blender. Je profite de cette intro pour euh, vous remercier pour tous vos messages et pour tous les rendus que vous m'avez envoyés à Thierry@copilot.ch ou que vous me postez sur Facebook ou directement dans les commentaires de, des articles sur euh, copilot.ch je vous remercie, ça me fait vraiment plaisir de voir vos créations, donc continuez à me les envoyer. Euh, merci également pour vos suggestions, merci pour tous vos messages euh, de remerciements et d'encouragement, ça me fait euh, très plaisir. Euh, N'hésitez pas à continuer sur cette lancée, même si je ne réponds pas à tous vos messages, faute de temps, je fais un maximum euh, en tout cas pour les lire et pour euh, en tenir compte, pourquoi pas, dans d'autres euh, prochains euh, copilotes, tuto copilotes, même si de manière générale c'est vrai. Je suis les besoins du moment et mon inspiration évidemment. On démarre ce tutoriel avec la traditionnelle scène par défaut Blender à laquelle on va retirer le cube et la lampe d'origine. Pour se positionner en vue de face orthographique et ajouter un maillage de type UV-sphère, certainement la bonne topologie pour modéliser une terre, je vais lui donner une taille de 2.5 et un shading smooth et avec un contrôle lui 2, lui appliquer directement un modifieur de type subdivision de surface de niveau 2. Je vais également garder les bonnes habitudes et venir nommer ici mon objet. Ça me permettra plus tard, vous verrez toute son utilité, de le sélectionner directement dans l'ICLINER et de le reconnaître. Je l'ai baptisé Terre, puisque c'est euh, l'UV-sphère qui va supporter euh, la première texture qui donnera la couleur euh, au continent et aux océans. On utilisera ensuite une deuxième sphère, Shift D, euh, clic gauche de la souris pour la dupliquer. Je vais passer avec Z en mode wireframe. Et puis avec un S, je vais légèrement la redimensionner pour venir... Euh, effleurer la surface de la Terre. Ce maillage-là servira à la texture euh, des nuages. On va donc vraiment reproduire les couches terrestres avec la partie tellurique, la partie atmosphérique et les, 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 et les nuages. Et puis encore euh, une troisième sphère pour vraiment venir donner euh, l'effet atmosphérique, la couche vraiment euh, gazeuse euh, de notre bonne vieille Terre. Je vais donc appeler cet objet atmosphère. Voilà pour la partie modélisation de la Terre, rien de très sourcier. On va se concentrer maintenant sur nos petits Space Invaders. Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais changer de calque, ça aura plusieurs utilités plus tard. Et je vais venir mettre une image de background qu'on va sélectionner dans les images de référence. Alors, il s'agit de celle-ci qu'on va utiliser pour venir modéliser nos petits Space Invaders façon pixel. Je vais ramener le Space Invaders on en qu'un, euh, Je vous encourage à en faire d'autres, mais euh, pour des questions de timing, on va se concentrer sur le petit Space Invaders qui est ici, qui est mon préféré. Et puis pour reproduire cet aspect euh, pixel-like, j'ai euh, envie d'utiliser de, des séries de petits cubes ici pour venir reformer. Euh, Graphiquement garder cet effet pixel design en reformant mon petit Space Invaders. On va utiliser pour ceci euh, un cube qu'on va redimensionner. Vous voyez que j'ai essayé de positionner à peu près le Space Invaders ici au coin gauche de mon cube. Et puis on va, je vais certainement utiliser deux cubes par pixel du Space Invaders, voire quatre cubes. Donc je le réduis encore un petit chouïa. Je refais mes ajustements. Vous verrez que finalement, on y passe des fois pas mal de temps à faire des ajustements, mais c'est tout bénéf pour plus tard, c'est toujours un gain de temps. On va utiliser ensuite un modifieur de type array. On va modifier l'offset à 1.1 sur l'axe des X. J'ai envie de garder un espace entre chaque maillage. Alors je remplis pas exactement encore mon mon pixel, mais c'est pas grave. Je vais euh, le dupliquer pour commencer à couvrir sur l'axe des X, bah, euh, créer une matrice de pixels sur l'axe des X et ajouter un deuxième euh, array en proposant cette fois un décalage non pas sur l'axe des X mais sur l'axe des Y de 1.1 donc identique et puis pareil je viens faire ici une duplication enfin une duplication j'augmente le compte de pixels pour venir remplir totalement mon space invaders je vais certainement continuer à faire un tout petit peu d'ajustement. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Soit je joue directement sur la taille ici de mon cube de base. Et puis j'essaie de venir faire remplir 4, 4 petits cubes ici chaque fois pour euh, chaque pixel. Ici, je suis pas mal. Je remarque même que je dépasse largement en haut à gauche et à droite. Donc, je vais réduire le compte sur l'axe des Y et réduire le compte sur l'axe x et j'ai euh, une matrice qui est prête à l'emploi. Avant de continuer, je vais fermer ce petit panneau pour gagner de la place. Je vais faire un Shift des clic gauche de la souris M pour déplacer euh, la matrice qu'on vient de sélectionner sur le dernier pixel. Euh, ça me permet donc de conserver un, un exemplaire de, de ma matrice avec euh, les arrays, ce qui me permettra de, de venir le modifier plus tard ou de le récupérer si j'en ai besoin parce que sur celui que j'ai laissé sur le CAC 2 à présent je vais appliquer et oui il n'y a pas de moyen de revenir en arrière donc maintenant je vais me retrouver avec un objet avec tous ces petits cubes vous l'aurez compris, le truc c'est maintenant de venir effacer les cubes et faire le vide ici euh, dans la matrice. Euh, si j'ai voulu garder un petit peu d'espace entre chaque cube, c'était peut-être pour un aspect esthétique, mais surtout ça va me simplifier la sélection, puisque en sélectionnant un seul vertex et en appuyant sur le raccourci CTRL-L, je sélectionne les autres vertex connectés à ce maillage et pas les autres au sein de cet objet, qui contient donc une série de petits maillages indépendants qui sont tous ces cubes. Et donc, euh, en faisant une sélection grossière maintenant, avec euh, l'outil lasso, ou l'outil lasso serait plutôt avec un contrôle et un clic gauche de la souris, ou alors un C, vous avez vraiment plusieurs méthodes de sélection. Je vais venir sélectionner vraiment les zones de pixels qui m'intéressent. Ici, ici. On va également... Euh, alors là, j'en ai manqué pas mal. On va sélectionner tout cela, tout cela, ici, ici. Voilà. Ça. Un clic ici au milieu. Un clic ici au milieu. Et la magie, c'est évidemment, comme je vous l'ai dit, le CTRL L qui nous permet de finaliser la sélection. Il me manque ceci, ceci et ceci, voire même encore un ici. CTRL L. Et je vais commettre maintenant l'irréparable en pressant sur X et en effaçant ces vertex. Je vais me retrouver. Avec un petit Space Invaders façon pixel. Pour ne pas être gêné par mon, mon image de background, je vais juste lui ajouter, alors n rouvrir le panneau, lui demander d'être visible uniquement depuis la vue top, donc la vue de dessus. Mon image sera visible uniquement ainsi. Et euh, il en est euh, terminé pour la modélisation de notre Space Invaders. On enchaîne avec la mise en place de notre scène. On va retourner sur le premier layer, le premier calque. On va se remettre en vue de face. Je vais faire à présent un Ctrl Alt 0 pour venir placer la caméra sur la vue de face. Et puis en la sélectionnant, je vais légèrement la déplacer. Avec un G2xZ, je vais pouvoir la rapprocher. Et puis on va rester à peu près à ce niveau-là. Avant de passer dans Cycle, on va ajouter un maillage de type plan. Avec un GZ, je vais le faire sortir de derrière la sphère. On va le placer, euh, on va légèrement le décaler ici par rapport à la sphère et puis lui donner une rotation. Vous savez qu'avec Cycle, on est friand d'utiliser des maillages et des matériaux euh, de type émetteur pour faire des lampes, même si certaines lampes sont, fonctionnent. Dans Blender Cycle, mais pas toutes. On passe ici dans le mode de rendu Cycle, et puis euh, notre maillage plane ici, je vais l'appeler lampe principale. Je vais lui donner un matériau qui va s'appeler lampe principale, et puis on va lui demander un matériau de type émetteur. On va venir cacher temporairement notre atmosphère en cliquant ici sur le petit œil. On va également cacher nos nuages pour garder que euh, le maillage de la Terre que je retrouve ici. Intéressant de voir qu'il y a certains maillages que je n'ai pas nommés. J'imagine que c'est des petits Space Invaders que je renommerai après. On va se concentrer maintenant sur euh, où est ma lampe. Voilà, je vais venir en vue dessus lui apporter encore un petit décalage ici. L'idée, c'est évidemment de venir projeter euh, depuis le coin ici droite en haut euh, la lumière du COM, simuler la lumière du soleil pour avoir une belle ombre de ce côté-là. Donc on va euh, placer cette lampe avant tout. Il faudra certainement augmenter sa puissance pour refléter euh, la lumière en provenant du soleil. On va d'ailleurs passer en mode rendu pour voir ce que ça donne. Et puis on va tout de suite faire quelques ajustements. Je vais utiliser euh, pour euh, le, le monde. Notre panneau world une couleur noire noire puisque je veux aucune influence du du world sur euh, ma sphère je veux absolument pas qu'il ait la couleur ou quoi que ce soit et d'influence euh, ici au niveau de notre terre on va également demander faire un petit changement ici sur notre panneau, je repasse en mode solide. On va demander à notre lampe main de ne pas être visible pour la caméra. Ainsi, elle ne sera pas rendue. Euh, à part la lumière qu'elle émet, évidemment. On va d'ailleurs pousser à 10 euh, sa force. Et puis, je repasse en mode rendu pour voir ce que ça donne. Je peux me mettre même depuis euh, la vue caméra avec 0. Et vous voyez que, cette fois, j'ai un bel ombrage qui me coupe la sphère quasiment en deux. Euh, on pourra forcer peut-être encore un petit peu sur sa force, mais en tout cas, euh, c'est ce qui me convainc. J'ai oublié, au niveau du panneau de rendu, ici, de passer au mode GPU. Pour les heureux possesseurs euh, d'une carte NVIDIA CUDA euh, compatible et consort, on va aller... Ensuite, dans l'intégrateur, pour le panneau au moment des rendus, je vais pour l'instant demander euh, 150 passes. Et pour le panneau des previews, je vais demander 80 passes, ce qui va encore voilà, affiner. Vous voyez que ça va très très vite quand on n'a pas grand-chose à l'écran. Euh, ça risque de se compliquer un petit peu plus tard. Alors, on va passer en mode solide. Je vais faire un CTRL S parce que je, je suis un parano de la sauvegarde. Place au matériau, on va attaquer la terre. Et pour ceci, on va devoir faire un petit peu du V-mapping, et surtout du V-unwrapping, puisqu'on va venir euh, déplier notre maillage. Je vais essayer d'avoir un maximum de place ici pour qu'on voit ce qui se passe. Et puis, on va, pourquoi pas commencer par créer notre matériau sur notre terre que nous allons appeler terre. On va lui coller... Euh, sans passer par le, les nodes directement ici une image qui sera la texture color map, hein, donc euh, celle qui est bien coloriée avec mes continents et mes océans. On va pouvoir d'ailleurs la prendre directement ici et puis je vais demander à rentrer dans le mode édition de la sphère et je vais presser sur U pour demander une sphere projection pour une projection de type sphérique et vous voyez le résultat que propose Blender. Alors j'étais un petit peu sceptique euh, la première fois sur pourquoi est-ce que euh, Blender est pas capable de me générer directement les petits cônes ici euh, aux bons endroits, pourquoi est-ce que j'ai cette rangée de vertex qui dépasse. Bon, euh, je vous avoue franchement que il suffit de la décaler légèrement pour euh, le, le, approcher ici l'ensemble. Et vous verrez que si je passe maintenant dans une vue euh, matériaux, le le mappage est plutôt pas mal. J'ai peut-être un petit truc bizarroïde là en haut au niveau du pôle nord. Mais je veux dire que le pôle sud est plutôt pas mal fait. Ça va sûrement être un petit peu moisi ici. Mais bon, euh, si je me mets en vue caméra, vous vous rendez compte que ce sera transparent pour ce que nous allons faire. Donc je vais garder mon dépliage UV ainsi. Et euh, je ne vais pas m'affoler du tout. On va... Euh continuer mais cette fois en passant directement dans le node euh, des matériaux on va venir étirer notre monde ici et puis faire apparaître les matériaux je vais d'ailleurs venir ajouter euh, une série de nœuds je vais essayer de garder ici une vue sur ma terre je vais ajouter les textures coordinates alors par défaut euh, Cycle utilise les coordonnées UV, contrairement au blender internal qui utilisait les coordonnées euh, generated, generated. Je vais ajouter ici un vector mapping également pour tout à l'heure. Je vais d'ailleurs venir connecter ici euh, l'UV au vecteur et je vais venir... Passer par-dessus, euh, vous voyez quand le lien s'allume, je lâche le tout et euh, l'ensemble est connecté jusqu'à l'output du matériel. L'intérêt d'ajouter ce mapping, c'est que je vais pouvoir, euh, après coup et après le dépliage UV, contrôler le plaquage de la texture. Vous voyez que par exemple, si j'ai envie de positionner mon, mes, continents, euh, mes continents ailleurs, je vais pouvoir tout simplement maintenant venir ici donner un petit peu de jeu. D'ailleurs, j'aimerais être un tout petit peu plus centré, ah, peut-être pas autant. On va du 0.01 voilà, sur l'Afrique et l'Europe. en Devinons l'Amérique Latine. On va euh, également mélanger sur ces matériaux la vue euh, une, une map euh, avec la vue de nuit, avec l'éclairage des villes. Donc on va euh, dupliquer euh, cette, ce nœud euh, texture. On va... Sélectionner ici notre texture Night Nightlight, qui sera euh, la texture de nuit avec euh, l'éclairage d'écran de ville. On va euh, ajouter un mix node hein, pour le shader, puisqu'on va mélanger nos deux shaders, notre diffuse et notre image. On va utiliser notre input vector ici pour être sûr qu'elles optent pour les mêmes coordonnées V. Je vais faire un petit peu de place, on est à l'étroit avec euh, la dimension à laquelle j'enregistre ces screencasts. On va maintenant venir utiliser cette image comme euh, qui est quasiment euh, si on le regarde. Hello My Night Lights. Alors je vous la réduire qui est une image qui est vraiment claire où il y a de la lumière, foncée où il y a de la nuit. Donc je vais l'utiliser comme un masque. Euh, pour, pour, euh, pour euh, filtrer un matériau émetteur. Et vous allez voir que je vais euh, tout simplement maintenant injecter mon diffuse dans ce shader. Je vais connecter mon mix shader ici à la surface. Alors pour l'instant évidemment, à cela. Merci. Je vais venir, c'est laborieux, connecter ici euh, le facteur. Et puis je vais ajouter un matériau. Euh, émetteur de lumière qui sera une input euh, ou un shader plutôt de type euh, emission qu'on va venir injecter ici comme deuxième shader et puis on, on va également utiliser notre texture d'origine en fait non je me raconte n'importe quoi on va faire un uh, Shift-D, on va utiliser une troisième texture qui va être le Bump. Alors, le Bump que je vais connecter tout simplement dans l'option Displacement. On va regarder un petit peu ce que ça donne en passant dans le panneau des rendus. Vous voyez que je devine en effet les, mes villes sur les faces qui sont by night. J'ai certainement un éclairage qui est pas au top du top. Je peux diminuer leur intensité pour qu'elles ne gênent pas trop. Je peux également changer leur couleur. Je vais opter pour un petit jaune orangé. Et vraiment réduire leur force afin que vraiment elles ne perturbent pas trop l'ensemble le, de la vue. Je pense que ce qui nous manque, c'est un peu d'éclairage sur notre lampe. Ici, on va passer à 20, on va passer à 30. On va S, même leur dimensionner légèrement pour vraiment avoir un contraste entre la surface éclairée et la partie euh, by night. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Je vais resélectionner ma terre pour euh, finaliser tout ça. Je vois que j'ai pas connecté ici mon vecteur du V-Mapping sur le bump. D'ailleurs, le bump est pas exceptionnellement visible. Hein. Vous voyez que bon, on peut se rapprocher vraiment. Très près de la terre, on le devine. J'ai fait quelques essais. On peut venir avec des nœuds de type brightness contrast pour essayer de, de booster cette image de bump. Euh, notre image de bump ici elle est assez, ah, elle est assez molle, c'est vrai. Euh, puis vous voyez que finalement on a surtout les Andes, euh, on a surtout l'Himalaya, on, on devine un petit peu les Alpes, un peu plus proche de chez nous, les Pyrénées. Mais bon, c'est du, c'est de la petite cosmétique, c'est du détail qu'on va pas forcément remarquer. Mais euh, j'ai fait quelques tentatives. Vous pouvez venir donner un peu d'influence, un peu plus d'influence à ce bump mapping pour euh, le tuto. Je vais en tout cas le garder ainsi. D'autant plus que on va pas faire beaucoup. On viendra peut-être faire des ajustements puisque nous allons rajouter une couche de nuage et une couche d'atmosphère par-dessus tout ça. Donc euh, on va pas faire trop de fine tuning maintenant au niveau du matériau de la Terre, mais ici vous avez en tout cas euh, la base pour mélanger ces deux shaders et avoir une terre qui est euh, éclairée plutôt euh, pas mal. On va donc se réintéresser un petit peu à notre ensemble. On va oups là, repasser en mode solide vous voyez que bon j'ai un petit peu agrandi ma terre à l'arrache tout à l'heure mais encore pas mal je vais juste me mettre depuis la vue caméra de nouveau j'aurais peut-être une petite envie de devenir le bon je trouve que les villes sont trop trop éclairées on fera on va garder la critique pour la fin je l'ai dit pas faire trop de fine tuning allez on enchaîne on va cette fois passer au matériau des nuages pour ceci je réactive mon, ma sphère des nuages et je vais ajouter directement un nouveau matériau. On va procéder exactement de la même manière. Je vais venir placer l'image. On va l'ouvrir. On va sélectionner la texture. Ce texture je prends les clouds. Vous voyez que ça correspond évidemment au nuage. J'ouvre l'ensemble. Je pense que je vais avoir besoin de faire de l'UV mapping. J'aurais pu m'épargner de le faire si j'avais pensé à Dupliquer mon matériau précédent, par exemple. Mais ce n'est pas grave, c'est du vite fait. Je fais la sphere projection. Je fais un GX pour déplacer. Alors bon, on va essayer de garder, d'avoir assez de précision. On est pas mal. On referme le panneau. Vous voyez que je peux tout de suite voir mon aperçu ici. On va enchaîner avec les nodes. On a comme tout à l'heure notre concept de base. On va ajouter Shift à l'input. On le fait plusieurs fois. Hein. J'aurais pu m'épargner en dupliquant la, la Terre et en changeant le matériau de la Terre pour accélérer la production mais pour l'exercice euh, on va ajouter l'ensemble comme tout à l'heure je viens donc avec mon UV mapping on input je viens avec ici mon vecteur et mon UV e mapping on input de l'image ça me sert je vous le rappelle à pouvoir pourquoi pas décaler mes nuages et puis sélectionner un endroit de la texture qui me plaît plus pour le mettre face à la caméra on va évidemment jouer sur un mix shader pour utiliser cette image non comme euh, une texture colorée. Je vais mélanger deux shaders. Un qui sera transparent, qui sera du transparent complètement blanc-blanc-blanc. Je veux du white-white. On contrôle qu'on est bien à un partout ici. Je vais utiliser un shader de type diffuse qui seront les nuages. Et puis, on va évidemment venir placer ici un mix shader pour pouvoir mélanger les deux euh, matériaux qui seront le transparent et le diffuse. Et puis, on va tout simplement euh, connecter la sortie ici et on va utiliser... Alors, là, je vais me débarrasser du diffuse en faisant un X comme euh, dans l'interface 3D et puis je vais utiliser cette image encore une fois comme le facteur pour mélanger ces deux matériaux on le réexplique euh, j'ai du noir euh, et du blanc pour ma texture de nuage je vais euh, simplement l'utiliser comme une technique de masquage blanc euh, j'aurai le diffuse et noir, j'aurai du transparent, c'est mon objectif, en tout cas, en venant euh, faire positionner comme ça les nœuds et ces matériaux. Pour s'en rendre compte, on va passer dans le mode rendu, ce qui va rendre visible théoriquement la Terre en dessous, et vous voyez effectivement que j'ai ma couche de nuages qui apparaît. Alors, on peut faire évidemment quelques petits ajustements. Ça me paraît tout à fait intéressant. Vous voyez que les nuages qui ne sont pas éclairés par la lampe n'apparaissent pas. Donc j'aurais vraiment des nuages sur le côté éclairé. Par contre, j'ai une sphère qui est beaucoup trop grande puisque je devine ici euh, son épaisseur. Donc je vais passer dans un mode solide wireframe. Et puis euh, je peux venir faire un S en jouant sur le, avec la touche Shift, venir la rapprocher ici. Et pour être encore plus précis, puisque vous vous rappelez... Euh, je l'ai dupliqué de la sphère d'origine qui nous sert à, la, à faire la partie tellurique. Je peux aussi venir voir ici le scale directement dans le, dans le panneau des propriétés. Donc si je mets ici le scale à 1 partout, j'aurai évidemment euh, la taille identique à la sphère de base. Et si je viens simplement pousser légèrement ici mes, mes données, je vais légèrement le décaler mais sans... Que la couche devienne trop visible ici à ce niveau-là. Vous voyez, je veux vraiment que les nuages soient par-dessus les continents. Donne un, un, une sensation d'ombrage. D'ailleurs, ici sur le continent, ce qui est plutôt pas mal. Mais je vais avant tout euh, le garder un petit espace ici pour l'atmosphère et faire notre glow plus tard. À voir. Est-ce qu'on veut les décaler sensiblement Est-ce que j'ai besoin, par exemple, de trouver un nuage plus intéressant Pourquoi pas alors là, j'en ai trop. On va, on va essayer de retabler sur le 1. Je vais peut-être. Donc, on va rester en mode rendu. On va essayer un 0,8. J'ai envie que l'Europe soit un petit peu visible. 0,8, on est pas mal. On devine peut-être un petit peu trop ici euh, nos, nos lumières euh, d'Afrique du Sud, mais on est plutôt pas mal. Je vais le garder euh, à 0,8. On va repasser en mode solide encore une fois et faire une petite sauvegarde. On enchaîne avec euh, le dernier matériau que nous allons euh, fixer à notre Terre qui sera euh, sur l'atmosphère. Je vais donc réactiver mon atmosphère ici. Vous voyez que, hop, je me suis trompé de bout de temps. C'est un Z. Vous voyez que l'atmosphère est considérablement plus grosse que mes, mes deux sphères de base. Je viendrai certainement la redimensionner plus tard, mais on va commencer par lui créer son matériau que nous allons appeler atmosphère. On va lui coller un mix shader. On va faire un shader transparent et un shader diffuse. On va utiliser une couleur blanche. Euh, pour le transparent, alors tout est un c'est parfait, quelque chose dans les légèrement bleuté pour euh, avoir évidemment du reflet bleuté atmosphérique pour notre diffuse. Et puis je vais maintenant ouvrir ici mon panneau, je vais aller regarder ce qui se passe au niveau du compositing des matériaux et pour mélanger considérablement ces deux euh, shaders, je peux me mettre dans un mode rendu pour voir ce qui se passe déjà. Alors vous voyez que mon atmosphère évidemment recouvre complètement euh, la planète, que je suis euh, moins éclairé de ce côté-là, donc c'est nettement moins visible. Euh, et pour appliquer maintenant ce, cet effet bleuté uniquement sur le pourtour, vous voyez qu'il est d'ailleurs trop épais ici, hein, on a une surf, une couche d'atmosphère qui est un peu trop épaisse à mon goût, mais bon ça rend au moins l'effet bien visible, on va venir jouer avec une texture de type gradient, qui sera donc un dégradé qu'on va rentrer ici dans le facteur. Alors, que, étant donné qu'on est en mode rendu, j'ai euh, mes passes, malgré le fait que je sois en mode GPU qui commence à être un petit peu lente. Donc, je vous propose de changer ma preview à 20. La GTX 560TI qui commence... Alors je vais me mettre une preview à 20, comme ça on bouffe pas trop de ressources parce qu'à partir du moment où votre carte graphique est super occupée à faire le rendu, ça commence à, 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 à sérieusement saccader au niveau de l'interface. Je sais pas si vous avez rencontré les mêmes problèmes. Je peut-être que ma carte est un, un peu trop légère, c'est de l'entrée milieu de gamme. Mais en tout cas, je euh vous propose de parfois limiter un petit peu plus pour pouvoir euh, avoir 20, 20 passes maximum puisqu'on commence à charger avec pas mal de matériaux ça commence à, 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 à pas mal consommer de ressources on voit l'effet euh, du gradient de texture et il me suffit à présent de venir jouer avec une input de type Fresnel si j'arrive à l'attraper une input de type Fresnel que je vais venir connecter dans le vecteur je vous invite à aller voir euh, l'effet Fresnel euh, un peu plus en détail sur les wiki blender si ça vous intéresse mais ce qui l'effet fresnel va avoir la, le grand avantage de euh, nous donner de l'influence sur l'extérieur de la sphère et moins sur le centre ici de la sphère pour euh, un petit test si je mets le fresnel à 1 c'est toujours intéressant de jouer avec des valeurs extrêmes pour voir ce qui se passe vous voyez que je devine très très légèrement ici le contour de l'atmosphère et plus je vais pousser ici mon effet fresnel plus l'atmosphère va venir couvrir euh, par rapport au point de vue de la caméra. Hein. C'est ça qui est, qui est important évidemment. Après je pourrais déplacer ma caméra, j'aurais toujours l'effet escompté. Ce n'est pas un matériau qui est euh, posé et puis qui n'est visible que depuis ce point de vue-là. C'est un, un, un effet qui va être... Vraiment très pratique pour de nombreuses utilisations. Je pense que je vais le pousser encore un petit peu pour quand même avoir un petit effet bleuté par-dessus euh, les nuages et par-dessus la couche terrestre. On commence à avoir quelque chose de pas mal ici. Je vais peut-être le monter jusqu'à 1.3. Et puis surtout... Peut-être que je suis à 1.3, un chouïa. On va le laisser à 1.3 pour l'instant. Je vais surtout repasser en mode solide, me remettre en vue wireframe, et puis venir avec un S et puis un Shift, redimensionner tout doucement ceci par-dessus mes nuages. Euh, je vous rappelle qu'on a l'échelle ici directement qu'on peut visualiser. Donc, mes nuages étaient à 1.010. Mon atmosphère pour l'instant est 1.048. Je vais essayer de la réduire encore un tout petit peu. Voilà, pour être vraiment au-dessus des nuages. Et puis, euh, en partant sur l'option rendue, je vais commencer à pouvoir apprécier vraiment l'effet euh, atmosphérique. Je vais peut-être le réduire d'un cran, puisque l'idée, ce sera aussi d'utiliser euh, cette zone bleutée pour créer du halo avec du note compositing plus tard, je vais le conserver à cette valeur là, ça me paraît plutôt intéressant. Je vais en revanche venir faire un tout petit peu de changement sur ma lampe qui m'apporte pas toujours l'éclairage que je souhaite. Je vais la descendre un petit peu avec un GZ et puis un R2 fois x, x pour pouvoir l'orienter, alors un R 2 fois Y pour pouvoir l'orienter sur cet axe là et puis je vais sensiblement Réorganiser. Je vais me mets depuis la vue caméra et puis on voit que on commence à avoir J'aimerais avoir plus de lumière pour couper la vraiment le... la terre à ce niveau-là. J'aimerais avoir un petit peu plus de lumière de ce côté-là. Donc je repasse au mode solide et puis on va faire un S 2 euh, fois Y pour redimensionner et un S 2 fois X. Je vais considérablement agrandir la surface. Est-ce que ça va apporter quelque chose On repasse en mode rendu. Je peux aussi maintenant venir fermer, réduire un peu mon panneau. Alors là, je suis mieux, mais alors la lampe est beaucoup trop puissante. Donc on sélectionne notre lampe, on va dans le panneau des matériaux, on passe à 20, on passe à 15, et on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal, avec une lumière qui est un tout petit peu trop présente ici, peut-être sur le haut. Est un tout petit peu, un petit qui nous manque un petit peu ici, mais je crois qu'on est plutôt pas mal. Je sais pas quelle saison ça représente, je sais pas s'il aurait fallu peut-être incliner un petit peu notre globe terrestre, mais en tout cas, on commence à avoir un effet qui est vraiment euh, assez réaliste. On va passer à 10 et puis on va se satisfaire de notre rendu. J'aime beaucoup l'atmosphère ici, comme elle se passe, c'est à, à ce niveau-là que je vais commencer à apporter du glow. Alors, on va repasser au mode solide pour soulager le GPU, on va faire un CTRL S et puis on va commencer à s'intéresser à la mise en place de la scène et à la préparation de l'animation avec les Space Invaders. Avant d'attaquer notre mise en scène, nous allons parler un petit peu d'animation, puisque c'est bien une animation que nous allons produire aujourd'hui. Donc je vais passer dans le panneau de rendu. Et euh, comme vous le savez, nous avons euh, un bouton euh, pour rendre l'animation. À partir du moment où on clique sur le bouton animation, on va euh, faire le rendu du nombre de frames qui est sélectionné ici, c'est-à-dire les images clés. On en a une jusqu'à 250. Euh, ce qui nous intéressera aussi c'est le format de sortie, je peux choisir ici de publier directement mon animation à un format euh, AVI, à un format euh, H264, qui est le codec euh, en vogue pour le rapport qualité poids qui est assez exceptionnel, mais dans notre cas je vais vous recommander de conserver une sortie en PNG. Nous avons euh, prévu 10 secondes d'animation, puisqu'on aura 5 secondes d'animation avec euh, la caméra qui s'approche de la Terre, puis un petit fond du noir, et ensuite 5 secondes d'animation avec euh, l'arrivée des Space Invaders. Je vais opter pour une animation à 25 images par seconde, ce qui signifiera évidemment que pour générer 10 secondes d'animation, il nous faudra 250 images, c'est ce que j'ai ici à disposition dans le endframe. On va d'ailleurs euh, écarter un petit peu ceci pour se focaliser aussi sur la timeline. Alors, où est-tu timeline Vous voyez que j'ai euh, les frames de 0 à 250 qui sont passés en gris clair. Je vois ici qu'on start euh, au 1, qu'on finit au frame 250 et que euh, j'ai la frame courante numéro 250. Pourquoi est-ce que nous allons générer 250 PNG et pas directement une animation tout simplement, euh, on va pouvoir directement avec Blender euh, charger les 250 images qui va, euh, qui vont être automatiquement présentées sous, une, sous un format euh, animé. Donc euh, on peut le faire avec Blender directement de rendre, euh, faire le montage de notre animation dans Blender avec ces 250 images. En ce qui me concerne, ayant la chance d'utiliser des outils professionnels, je vous montrerai comment j'ai finalisé euh, l'animation. Mais ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que... Euh, je vais avoir une première animation avec juste la Terre, je vais avoir une seconde animation avec les Space Invaders qui arrivent, et au fur et à mesure de ma timeline, je vais évidemment faire quelques tests de rendu pour m'assurer que tout reste propre le long de l'animation, mais on n'est pas à l'abri d'un petit quack. Imaginons que à partir de euh, l'image clé 160 jusqu'à l'image clé euh, 250, je ne suis pas content du résultat. À partir du moment où j'ai généré mes 250 images et pas une animation complète euh, à un format vidéo, je vais pouvoir venir régénérer juste les images clés qui nous intéressent, ce qui est un gain de temps précieux au niveau du rendu. Si chaque image euh, prend 3 minutes à être générée, je vous dis ça euh, vraiment au feeling, mais même je pense que ça pourrait prendre beaucoup plus que 3 minutes pour chaque image, malgré le, le, le GPU rendering et l'accélération graphique de NVIDIA. On va euh, se retrouver euh, rapidement avec des temps de rendu très conséquents. Si je voulais régénérer uniquement, par exemple, les 50 dernières images, il suffirait ici de venir modifier ma start frame à 200 pour aller jusqu'à 250. Et vous voyez que la zone gris clair qui va être rendue au moment où je vais cliquer sur le bouton animation concernera uniquement cette partie-là de l'animation. J'aurais plus qu'à remplacer ces 50 images euh, à, par. Euh, ou à ajouter les, les 200 premières images à cette euh, série de 50 images que j'aurai générées dans une deuxième phase et je vais pouvoir corriger très rapidement sans avoir besoin de refaire tout le rendu de l'animation à un format vidéo donc euh, en tout cas pour commencer on va rester euh, sur la frame numéro 1 et puis on va évidemment euh, imaginer qu'à partir de la frame 125 je vais arriver à un euh à la partie où je vais faire un tout petit fond du noir pour laisser les les, les Space Invaders apparaître et que au moment où on arrivera à l'image clé 250 ce sera le moment où on est le plus proche de notre terre alors on va commencer par euh, s'occuper de la terre avant de venir ajouter les Space Invaders je vais euh, me caler à l'image 250 donc on peut utiliser ici notre curseur pour se placer à l'image 250 et puis je vais venir placer la caméra à l'endroit où j'ai envie qu'elle se situe à la fin de l'animation. Je vais faire g deux fois Z, puis je vais juste la rapprocher légèrement. On va conserver ce panneau ouvert. Vous voyez que quand évidemment j'influence ceci, on voit les valeurs changer à ce niveau du panneau de la location de notre caméra. Ça, ce sera le l'endroit le, pour notre caméra à la fin de l'animation et il va falloir que je pose maintenant une image clé pour pouvoir dire à la caméra ok à l'image 250 tu auras ces coordonnées exactes. Pour ceci je vais simplement me mettre avec la souris au dessus du de la zone euh, de la fenêtre 3D pressé sur un i et je vais avoir l'option de, de faire l'insertion d'un keyframe. Je vais choisir dans notre cas uniquement la location puisque c'est euh, uniquement le, la position de la caméra dans l'espace 3D que j'ai envie de, de keyframer et pas sa rotation ou son échelle, mais vous voyez que vous avez bien plus d'options à ce niveau-là. Je vais donc opter pour location. Vous voyez que cette fois la, le panneau est passé en jaune, ce qui euh, signifie qu'il y a un keyframe à cet endroit-là, et puis que si j'observe la timeline, j'ai également une petite bandelette jaune ici qui m'indique qu'il y a une image clé à cet endroit là, et que quand je vais arriver à cette image clé, je serai à cette position-là. On va dès lors se situer revenir jusqu'au niveau, euh, jusqu'au premier frame de notre animation. Et puis je vais maintenant faire un g 2 Z. Pour reculer ma caméra. Et puis, je vais pourquoi pas la placer à ce niveau-là. À ce moment-là, je presse également sur I. Je lui dis également de c'était un keyframe de type location. Et celui-ci passe en jaune. Automatiquement, Blender va dès lors nous faire l'animation de la caméra directement sur euh, la Terre. Alors, vous voyez que j'ai l'impression que. La caméra accélère gentiment, obtient une vitesse de croisière, puis vient ralentir pour se positionner devant la Terre à ce keyframe là. Petite astuce, si vous voulez euh, retirer un keyframe, vous faites un Alt I pour faire le delete keyframe. Vous voyez que on repasse en vert. Blender me dit que j'ai qu'il a retiré trois keyframes. C'est un, simplement un keyframe pour X, un keyframe pour Y et un keyframe pour Z. Mais euh, je vais represser sur I, et réinsérer ma location pour conserver cette animation. Si à présent je voulais avoir quelque chose qui n'a accélère pas progressivement mais qui est bien linéaire je peux m'intéresser à, à une autre fenêtre qui sera le là, ah non, qui sera le graph editor et vous voyez que j'ai ici euh, ma caméra qui est sélectionnée, que j'ai différentes euh, locations, que je peux venir ici activer et observer ce qui se passe. Et vous voyez que sur l'axe X, le trait rouge reste plat, puisqu'effectivement, la caméra se déplace uniquement sur l'axe Y. Et ce que vous pouvez observer, c'est que... Blender automatiquement est venu lisser cette courbe et c'est pour ça qu'elle accélère légèrement, atteint sa vitesse de croisière ici et décélère pour arriver à sa position finale au frame 250. Ce que je peux faire c'est sélectionner ce point là, faire un S et puis venir redimensionner cette tangente. Vous voyez que j'ai des courbes qui ressemblent... Euh, étrangement à nos courbes de Bézier, c'est le cas, je peux même faire une rotation suivant euh, comment j'ai envie d'influencer le graphe. Et puis, je veux vraiment... Alors, pour dans, dans notre cas, avoir quelque chose de relativement linéaire, je vais donc le retirer, ce qui fait que la position Y va augmenter de façon quasi-linéaire jusqu'à la position 250, et que si je repasse dans mon mode 3D, cette fois-ci, la caméra atteint beaucoup plus rapidement sa vitesse de croisière pour s'arrêter à ce niveau-là. Voilà en tout cas les bases de l'animation, c'est le I, le Alt-I, euh, l'observation des différentes fenêtres, et puis euh, pourquoi pas jouer sur euh, le Graph Editor pour venir influencer plus ou moins euh, les, les courbes de, de, de notre animation et l'influence qu'on a sur leur vitesse d'exécution, c'est le BABA, c'est ce qu'on va utiliser de manière simple aujourd'hui dans notre animation on va s'intéresser à présent à l'animation de la terre puisque on va euh, affecter un petit peu euh, la rotation durant l'animation on a envie que le long euh, tout en ayant le zoom de la caméra on a envie d'avoir la terre qui euh, orbite euh, sur son axe pour ceci euh, on va animer euh, l'objet de la terre et puis celui des nuages aussi je vais donc rendre invisible temporairement euh, notre atmosphère, je vais également rendre temporairement invisible nos nuages, et puis on va venir sur la Terre, je vais passer en mode matériel, ce qui me permettra de visualiser notre, euh, notre modèle, et puis je vais me placer euh, sur le frame 1, on va garder notre timeline toujours bien en vue, et cette fois nous allons placer des keyframes, mais pour affecter la rotation de la Terre et pas la position. Je vais donc presser sur I puisque j'ai envie que ce soit la, la position de départ. Je vais cette fois euh, insérer un keyframe sur la rotation. Vous voyez que comme tout à l'heure, la rotation passe en jaune. Et puis, je vais maintenant me positionner au frame 250. Et puis, je vais euh, affecter la rotation sur l'axe Z. Donc, vous voyez que... On va pouvoir tout simplement incrémenter manuellement. Je pourrais faire un R contraint sur l'axe Z ici pour venir influencer la rotation de la Terre. Je vais certainement opter pour une rotation. Pas trop rapide. On va se mettre à 15 degrés et puis je vais euh, maintenant presser sur I pour insérer le deuxième keyframe de la rotation. Ça passe en jaune et je vais avoir, euh, au même temps que euh, le zoom sur la Terre, la rotation de la Terre. Comme tout à l'heure, vous voyez que nos... la Terre, la rotation accélère et puis ralentit. Euh, sensiblement. Je vais donc passer dans le Graph Editor et comme tout à l'heure, vous voyez que nous avons une rotation sur l'axe Z, puisque j'ai mes couleurs X, rouge, v, verte, Y qui ne bougent pas, qui restent sur le même plan, sur le même axe. Je vais comme tout à l'heure sélectionner euh, ce point ici, faire un S pour réduire. Ma tangente et puis sélectionner le point là, faire un S également. J'ai pas sélectionné la bonne, donc je peux très bien voilà venir effacer les autres courbes et puis je viens également affecter la rotation pour que celle-ci soit constante. Alors c'est peut-être pas super flagrant, on pourrait peut-être ajouter un petit chouïa de rotation. Alors pour ceci, je peux très bien venir faire un Alt-I, répétition, j'efface le keyframe, j'ajoute peut-être maintenant un... Alors 20 degrés, je refais un I, rotation, et je, re, un... je réaffecte un keyframe à l'ensemble. Cette fois-ci, on a vraiment l'impression que la Terre tourne, je vais repasser dans le Graph Editor, j'ai la sensation que chaque fois qu'on insère ce keyframe, on a une jolie tangente, je vais casser la courbe pour avoir une rotation totalement linéaire. Ceci étant fait, on va encore euh, animer notre euh, nos nuages. Donc, on va allumer notre calque avec les nuages. Évidemment qu'au mode matériel, c'est un petit peu moins excitant, mais l'idée, ça, ça va être euh, de faire tourner les nuages un poil plus vite que la Terre pour vraiment montrer que la couche de nuages n'est pas collée à, à, à la surface terrestre, mais se déplace dans l'atmosphère. On va donc insérer un keyframe ici au frame 1 on va sélectionner alors surtout notre euh, le bon objet on va presser sur i pour insérer également un keyframe sur la rotation on va se placer maintenant à l'image de je vais euh, fortement alors on est à 20 degrés je vais peut-être donner un 25 degrés euh, pour que les nuages tournent un peu plus vite que la Terre, j'insère un keyframe de type rotation et cette fois j'ai effectivement les nuages qui vont euh, tourner en même temps que le zoom sur la Terre. On peut de temps en temps euh, de se donner un petit aperçu pour voir hein, ce qui se passe. Je trouve qu'on a un tout petit peu toujours trop d'influence euh, de ce côté-là pour notre, euh, nos villes. Je vais en profiter peut-être pour retoucher maintenant ce matériau. On va passer juste dans le nom d'éditor. Je, suis... je voulais faire moins de fine-tuning que prévu, mais je vais réduire l'influence ici à... 0,2 de notre matériau émetteur, voire même 0,1, ce qui va vraiment... Allez, 0,2, qu'elle soit quand même un petit peu visible. Ok. On passe en mode solide. Ici, je repasse en mode timeline. Et puis, on va réduire légèrement ceci. On va faire un CTRL S et on va commencer à mettre la scène en place avec nos Space Invaders. On va commencer par faire un petit peu de ménage de notre outliner. J'ai donc euh, ici euh, mon Space Invaders qui est toujours couché dans le mauvais sens. Je vais donc euh, lui donner une rotation sur l'axe X de 90 degrés. Je vais également faire un Shift-D pour le copier. Clique gauche de la souris M et je vais aller le placer sur l'avant-dernier euh, layer pour pouvoir garder ici ma matrice originelle, pour pouvoir euh, venir modéliser les Space Invaders d'une autre forme. Et puis garder ici mon, mon Space Invaders de référence. On va peut-être appliquer un petit matériau à ce bonhomme, hein, histoire qu'il ressemble à quelque chose. On va faire dans le très simple, on va l'appeler Space In Material. On va utiliser un Mix Shader avec un Glossy et un Diffuse que je ne vais même pas customiser pour l'instant. On va le garder ainsi et surtout. Je vais ici l'appeler Space Invader. Pour le repérer dans l'outliner, on va également juste renommer celui-ci qui sera notre Space Invader de référence, que je vais noter comme ça. Et puis, je vais également passer ici pour sélectionner ma matrice. Et puis, je vais passer, je vais l'appeler Matrice Ref. Comme ça, mon Outliner reste très propre. On va rapprocher ça de la caméra, réactiver l'ensemble des, des calques, et puis on va se mettre dans la vue caméra. On va avoir un Space Invader peut-être un poil trop grand, je vais donc commencer par le réduire. Je vais également le placer, le décaler GX sur l'axe des X, et puis on va regarder un petit coup ce que ça donne en mode rendu. Et vous allez constater que je vais euh, manquer de pas mal d'éclairage à ce niveau-là, puisque euh, j'ai qu'une seule source de lumière pour le moment. Le challenge va donc être de rajouter quelques sources de lumière pour éclairer l'arrière des Space Invaders sans trop influencer euh, la Terre. Euh, je vais donc commencer par Shift-D, dupliquer cette lampe. Je vais également la déplacer sur le calque numéro 2, puisque j'ai envie euh, de venir affecter mes Space Invaders. Je vais S la redimensionner et puis je vais surtout venir GR R, euh, lui appliquer une petite rotation, 2 fois X ou alors R, 2 fois Y pour euh, la tourner sur son axe local. GZ Z pour la positionner un peu plus bas et je la soupçonne d'être un peu trop violente, donc on va la renommer Lampe euh, SPACE. Invaders, et puis on va également euh, séparer les, le matériau qui était utilisé ici pour pouvoir créer une seconde lampe. Alors je vais y arriver, et puis ce sera une lampe pour les Space Invaders. Voilà. Depuis ma vue caméra, toujours je peux passer en mode rendu, j'affecte pas euh, la terre juste pour observer à peu près l'intensité. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu fort. Je vais passer sur une force à 5. Et puis maintenant, je réactive ma Terre pour me rendre compte que j'ai effectivement euh, une assez forte affluence de ma lampe sur l'arrière de la Terre. Je vais peut-être la passer à 2. Voilà, pour avoir évidemment quand même de l'éclairage ici et voir ce qui se passe. Ça me paraît pas mal, on va donc ajouter une série de space invaders, je vais me mettre en mode solide, on va se mettre en vue de face, on va faire du Shift D, X pour le contraindre sur l'axe des disques, du Shift D, je vais en placer 4, et puis évidemment qu'on va euh, venir les, les placer à des endroits sensiblement différents pour donner l'impression que certains sont un peu plus proches de la Terre en tout cas en position initiale donc j'ai y j'ai y j'ai y j'ai effectivement proposé un peu de décalage à l'ensemble. Ça me paraît pas mal. Et puis n'oublions pas que j'ai deux phases de mon animation. Il y aura une phase à peu près jusqu'à les 5 premières secondes, donc jusqu'au frame 125, où j'ai envie d'avoir ma Terre qui tourne toute seule. J'aurai un petit fondu enchaîné de noir pour ensuite voir les Space Invaders arriver. Ça veut dire que mes Space Invaders vont arriver à peu près au frame 125. Euh, ça me paraît être... Je vais faire un GZ, légèrement le descendre. Il me semble avoir des positions intéressantes ici. Je vais juste checker qu'il faut, qu faut... Ouais, je pense qu'effectivement, on va avoir besoin d'une ou deux petites lampes encore de chaque côté ici pour venir éclairer nos Space Invaders. Je... Je tremble à l'idée de rajouter trop de lampes puisque j'ai pas envie que ces lampes annexes viennent trop éclairer à la Terre et je ne retrouve pas dans Cycle l'option qui s'appelait... This layer only, qui était euh, donc euh, réservé aux lampes du Blender internal. Il y avait euh, la possibilité de demander à une lampe d'influencer uniquement une partie de la, du layer et pas les autres. Donc, euh, cette option n'est pas disponible malheureusement dans Cycle. Donc, on va faire 100 et puis on va surtout jongler maintenant pour euh, s'assurer que on n'éclaire pas trop l'arrière de la Terre, ce qui est un petit peu le cas. On va quand même pousser un petit peu à 50 peut-être le nombre de passes en mode preview. Vous voyez qu'il me manque également mon atmosphère. Je vais faire un Alt H pour la faire réapparaître. Et puis, on a quelque chose qui commence à devenir intéressant. J'ai le sentiment que je manque un petit peu d'éclairage vers le haut. Donc, on va euh, corriger tout ça. Je vais donc euh, ajouter une dernière loupiote hein, qui sera. Bon, j'ai peur d'en ajouter trop, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais en ajouter une ici que je vais peut-être redimensionner légèrement, que je vais approcher du Space Invaders ici qui est en haut parce que j'ai envie qu'il soit bien éclairé. Euh, Rappelez-vous que toutes ces lampes, afin qu'elles ne soient pas visibles à la caméra, on l'option ici Ray Visibility camera décochée. Je suis sûr que c'est une option ou euh, une question que vous allez me reposer. Et puis on va attaquer un petit mode rendu. Et puis cette fois j'obtiens quelque chose de plutôt satisfaisant avec euh, de l'éclairage qui commence à être sympa, surtout que j'ai envie de donner l'impression, et c'est flagrant sur celui-là. Qu'ils sont éclairés quand même pas mal par le, 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 la source, l'image source originelle qui est évidemment notre soleil qui plonge depuis ici. On va donc euh, finaliser notre partie animation avec cet éclairage là. Je vais faire un petit CTRL S pour sauver comme d'habitude, et puis on va, euh, avant de passer au compositing, euh, animer maintenant nos Space Invaders. Je vais donc positionner mon curseur au, sur le zoom final de la caméra pour pouvoir euh, me rendre compte euh, au frame 250 où vont se situer les Space Invaders. Et c'est maintenant que je vais venir euh, leur donner leur position finale. On va donc tout d'abord GZ, descendre celui-là sensiblement. J'ai bien envie qu'il apparaisse euh, un petit peu ici par-dessus euh, la Terre. On va GZ. Y, rapprocher celui-là. GZ, le remonter légèrement. GY, pourquoi pas le faire dépasser du champ de la caméra. Je vais déplacer celui-là, GX. GZ, et le placer ainsi. GX, et encore un GX. Et puis un GY pour le mettre un peu plus proche de la Terre. Et puis celui-là, GY, je vais carrément... Alors, le rapprocher de la Terre sans le faire... Dépasser. Voilà. J'ai un, une petite dispersion comme ça qui est intéressante. On va voir ce que ça donne avec notre éclairage. N'oublions pas qu'il y aura aussi un petit peu de compositing à faire plus tard. Avec mes 50 passes, vous voyez que ça commence à, à bourriner au niveau du rendu GPU hein, et qu'on fait moins les rigolos en termes de passes ici, malgré l'accélération matérielle d'Invidia. Mais j'ai des reflets. Peut-être que je devrais jouer un petit peu sur le matériau de mes Space Invaders. Peut-être que je devrais les rendre beaucoup plus... que je devrais jouer sur le glossy. Alors là, vous voyez que le glossy est trop important, qu'il me reflète carrément la lampe. Donc je vais jouer sur la dureté ici, avec quelque chose d'un peu plus intéressant. Est-ce que si on leur adonne un petit biseautage... À l'ensemble, ça pourrait le faire pour avoir des angles un petit peu moins cassés. Bon, on va les garder ainsi. Euh, J'aime beaucoup l'éclairage ici que j'ai sur ces faces. Euh, ici, j'ai toujours quelque chose qui n'est pas assez éclairé à mon goût. Donc, on va voir où est placée cette lampe par rapport à la position finale de mon Space Invaders. Elle est trop basse. GZ, je la redescends. Et puis cette fois-ci, on va faire GX pour la déplacer. GZ. Et puis maintenant, depuis le mode rendu, il devrait être un peu même trop flashé par ma lampe. Mais c'est pas grave. Non, on arrive à quelque chose de pas mal. On arrive à quelque chose de pas mal. Celui-là doit en recevoir un petit peu. Celui-là doit en recevoir un petit peu. Vous voyez que je suis sur le frame final 250. Donc ma terre a tourné. Mes nuages aussi. Mais on est, plutôt, on est plutôt pas mal. Je vais à présent repasser en mode solide. On va venir au frame 125. Et au frame 125, les Space Invaders doivent apparaître dans le champ. Alors là où je vais le coincé je pense, c'est que euh, ils vont... Il va falloir placer des keyframes. Donc on va le faire tout De suite, on va rouvrir notre panneau ici avec N pour observer les keyframes de chacun, et puis au frame 250, je fixe la location de celui-ci. Je fais un i e, location, celui-ci i e, location, celui-ci i e, location, celui-ci i e, et location. Maintenant, depuis le frame 125, j'ai envie de les faire apparaître dans le champ. Donc je vais commencer par celui-là. Je vais prendre... C'est celui qui posera le moins de problèmes parce qu'il ne va pas passer à travers une lampe. Mais là, j'aurais peut-être besoin de la repositionner. Je vais euh, prendre un GY et puis je vais le faire sortir du champ de la caméra, puisque j'ai envie qu'il apparaisse à partir du frame 125. Donc je vais le faire rasant. Et je vais lui placer un keyframe à ce niveau-là location. Et pour observer. Alors, vous voyez que la caméra se déplace un peu plus rapidement. D'ailleurs, c'est parce que j'ai ces, ces courbes. Mais je vais donc euh, passer dans le Graph Editor. On va s-casser ceci. S-casser ceci pour donner une accélération et une vitesse linéaire et vous voyez que cette fois il va rentrer dans le champ de la caméra en arrivant plus vite que la caméra ce qui va donner vraiment quelque chose d'intéressant c'est qu'on aura le déplacement du space invaders plus le zoom sur la Terre on va procéder exactement de la même manière pour celui-là on va faire un g y euh, x euh, non y on va le faire sortir légèrement du champ on va lui fixer un keyframe à cet endroit location. On va passer dans le graph editor. Eh bien, on n'aura pas fini de le faire aujourd'hui, mais ça nous euh, permet de les utiliser et de voir, à force de répéter, de se sentir à l'aise, j'espère. Et puis on aura cette fois, alors quelque chose qui est qui est vraiment assez constant. Peut-être que j'aurais pu l'amener un petit peu plus loin histoire de donner l'impression qu'il va plus vite que le précédent, donc je peux aussi maintenant faire un Alt I pour effacer mon keyframe, venir faire un G Y pour le retirer encore un peu en arrière, I pour poser euh, mon keyframe location à 125, passer dans le graph editor et puis on va S de nouveau casser complètement euh, la courbe de la tangente pour avoir une accélération totalement linéaire et puis vous voyez que cette fois j'ai vraiment l'impression qu'il se déplace plus vite que le que le Space qui est en dessous ici. Donc là, on est pas mal du tout. On va se replacer au 125. On va faire la même opération maintenant que celui-là. J'ai Y. On va l'attirer sur le bord ici. On va lui placer I un keyframe de type location, je passe dans le Graph Editor, je sélectionne S, je réduis les tangentes, S, je réduis les tangentes, et j'observe le résultat. J'ai effectivement mon euh, mes Space Invaders qui sont animés proprement. Vient à présent euh, ce Space Invaders qui, j'espère, va pouvoir. Euh on va passer à travers ma lampe, c'était l'inquiétude, je vous le disais tout à l'heure. Donc on va tester pour voir ce que ça donne. Je vais faire un GY. Je vais le faire arriver au-dessus de la caméra ici. GY, encore un chouïa Je vais lui placer un keyframe. Je vais aller tout de suite dans le graph Editor. Je ne sais pas s'il y a un moyen de régler euh, cette option par défaut pour ne pas avoir de courbe. Euh, C'est possible, je vous avoue que je n'ai pas fait de recherche. Je fais une petite sauvegarde. On n'est jamais trop prudent. Et puis je vais voir. Alors là, vous voyez que il passe à travers. Ma lampe, mais il va venir ici. On commence à avoir un aperçu. Je peux très bien me mettre au mode rendu pour voir. Alors je vais commencer à avoir ici. Ah, ça va être intéressant. Ils vont s'éclairer progressivement. Vous verrez. J'avance un petit peu. J'avance. Il passe à travers. Alors là, on, il sera hors champ de la caméra et il va commencer à prendre de la lumière. Non, on va avoir quelque chose d'intéressant, je pense. Et puis quand on sera au frame 250. Il sera carrément dans la lumière. Puis on aura vraiment un zoom très très proche de la Terre. J'aurais pu les décaler un petit peu plus. J'aurais pu euh, aménager la scène différemment. Mais on commence à avoir quelque chose de, de relativement propre. N'oublions pas qu'il y aura du compositing pour l'ensemble. On va se préparer à faire un petit rendu, je vous propose évidemment de faire le compositing sur la dernière frame, la 250 puisque on va... C'était pas anodin d'avoir séparé euh, la Terre des Space Invaders parce que je vais leur appliquer des effets différents qui vont venir se mélanger par du compositing. C'est une des dernières étapes, je pense, à réaliser avec un peu de fine tuning avant de lancer le rendu de notre animation avec les 250 images pour pouvoir ensuite charger ces 250 frames et réaliser notre animation de 10 secondes. Avant d'attaquer le compositing, on va euh, juste euh, d'abord fixer notre euh, panneau de rendu convenablement. Je vais euh, tout d'abord changer la résolution puisque je veux faire du 1000 une, une animation euh, HD 720 de 1280 par 720. Je vais demander de faire une image en 100% comme ça on pourra commencer à se rendre compte des temps de rendu qui vont devenir assez conséquents vous le verrez mon PNG c'est ok j'ai toujours alors une option sur laquelle je vais devoir jouer je vais lui demander de me faire un background transparent je ne veux pas garder le noir du panneau world je, je, je veux que l'ensemble soit détouré et que je puisse utiliser le canal alpha pour faire du masquage vous verrez tout de suite l'intérêt au niveau du compositing pour pouvoir intégrer un background euh, spatial euh, qu'on va d'ailleurs vite observer qui provient d'une image de référence qui est un, un wallpaper, un, une image d'arrière-plan pour le bureau qui a, j'en ai découpé qui est assez énorme, et j'en ai découpé une partie de 1280 par 720 pixels à peu près à ce niveau-là pour avoir comme résultat cette image qui fait 1280 par 720 et on va venir mettre notre terre là au milieu évidemment donc on coche l'option transparent au niveau de, des layers comme je vous l'ai dit je vais avoir le render layer qui sera la terre en premier lieu puis sur l'autre render layer, je verrai les Space Invaders. Donc on va ajouter un render layer. On va appeler celui-là Space Invaders. Je vais euh, cocher mon option render layer et lui demander de euh, me rendre que le layer numéro 1. Le Space Invaders, ce sera le layer numéro 2. Nous viendrons faire un mix de l'ensemble et coller le background derrière. Ai-je oublié quelque chose, on va peut-être faire 200 passes pour le rendu, on verra à peu près le temps que ça nous prend. Hein. J'imagine que pour quelque chose de propre, voire même pour quelque chose de pro, il faudrait euh, élever considérablement euh, le nombre de passes de rendu, mais... Euh, soit après vous disposez de matériel professionnel pour faire l'accélération matérielle, soit euh, vous faites avec le, la carte que vous avez à la maison et à ce moment-là, en tout cas pour le tuto et puis pour accélérer les choses, on, on va voir ce qu'on donne pour avoir une qualité acceptable euh, sans pour autant euh, trop influencer nos temps de rendu. Et c'est parti, je lance le BVH qui se met en cache et c'est parti pour les 200 passes en 1280 par 720. Nous voilà 200 frames, euh, 200 frames, 200 passes plus tard, euh, à 1 minute 44 quand même au niveau du temps de rendu, hein, pour une image en 1280, 70, euh, 720 à 100%. Je vous laisse imaginer, on va aller tablant sur 2 minutes pour arrondir l'ensemble, fois 250 frames, ça va chercher dans les 500 minutes de temps de rendu, et vous pourrez voir. Euh, on va alors passer, disons, dans le node, Editor... Euh, on va sélectionner euh, le, le, le compositing pour la post-prod, use node, backdrop comme d'habitude, et puis on va ajouter d'entrée de jeu node viewer. Et puis on va observer un petit peu notre image ici. Alors vous voyez que... Alors bon, l'image est grande, je, je, je screencast en 1280-720, donc l'image est un petit peu trop grande. Avec un V et un Shift ou, ou un Alt V, oui, avec un V et un Alt V, euh, je peux faire du zoom sur le backdrop ici. Et vous voyez que, euh, bon, on, est, on a encore pas mal de bruit à ce niveau-là, au niveau de la Terre. Euh, C'est pas encore tout à fait propre, mais bon, euh, on va pas pousser trop, trop, trop au niveau des tons de rendu, sinon on s'en sortira pas. On va euh, dupliquer ici pour constater que nous avons sur ce layer les Space Invaders. Tip top, et sur ce layer nous aurons la terre. Nous allons commencer par l'opération de masquage. Je vais donc rester sur la terre. Vous voyez que si je demande à voir la transparence, le canal de transparence, notre terre est effectivement transparente. J'ai donc euh, un canal alpha que je vais pouvoir utiliser pour faire du masquage. Puisque je vais commencer par ajouter le background, qui est donc l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. On va venir ici open, charger, ça s'appelle Space BG Open on va utiliser Shift A un mix node pour mélanger ces deux images qu'on va euh, insérer ici, on va regarder évidemment toujours avec le viewer le résultat, alors avec un facteur de 1 j'ai euh, mon image du dessous qui est complètement mixée par l'image du dessus vous voyez que j'aurais de la peine à trouver une solution de mixage de mes deux de mon calque, à moins que j'ai préparé l'image d'origine, sans voir les étoiles qui, sont, euh, qui couvrent ici la surface terrestre. Or, j'aimerais évidemment qu'elles apparaissent derrière. Pour ceci, on va utiliser le canal alpha, que je vais injecter ici en gardant le mode mix à mon facteur. Et euh, je constate que ça fonctionne. Mon canal alpha, on peut d'ailleurs euh, regarder à quoi ça ressemble hein, dans le viewer. Mon canal alpha, c'est tout blanc au niveau de la terre tout noir au niveau de ce qui est transparent et donc en utilisant ce facteur, je vais pouvoir maintenant on va renverser ces deux images, on va reconnecter ça au viewer et vous voyez que cette fois, j'ai ma terre qui est parfaitement euh, superposée à mon à mon background. Mon background, je le trouve un petit peu trop imposant, je vais faire un shift à euh, color RGB curves. Je glisse ici aussitôt où j'ai le la connexion qui vient orange. Je lâche et j'ai la connexion qui se fait automatiquement. Je vais maintenant euh, venir simplement jouer sur mes curves pour réduire l'intensité. Ce qui m'intéresse c'est surtout de garder un peu ces sortes de nébuleuses bleutées ici que je trouve euh, que je trouve très joli. On va conserver euh, notre background ainsi on va maintenant venir jouer euh, sur des effets pour euh, affecter euh, l'atmosphère euh, et donner euh, cet aspect un petit peu à l'eau autour de l'atmosphère ici sur la partie qui est éclairée. on ajoute un viewer, euh, output viewer, et puis on va s'intéresser maintenant à notre euh, bonne vieille terre. on va venir. Du passé alors je vais essayer de faire un petit peu d'ordre ici un petit peu de place on va ajouter euh, des filtres de type blur euh, on va venir jouer ici sur la taille on va le dupliquer allez je vais mettre mon viewer ici et puis je vais me concentrer sur cette partie là maintenant je vais en ajouter Shift D1 deuxième. Celui-ci, euh, je vais également lui injecter la même image. On va passer sur du Fast Gaussian. On va passer sur du Fast Gaussian qui est toujours très propre. On va faire 5. On va voir ce que ça donne. Pour ce blur-là, c'est pas mal. Je vais ajouter Shift A1, euh, color de type mix, que je vais passer en Add, que je vais laisser fixer à 1. Et puis, je vais mélanger ces deux images pour obtenir en sortie cet effet. L'effet me plaît pas mal, parce que ça donne un peu de bloom, euh, comme on l'appelle traditionnellement. Ça donne vraiment cet effet. Euh, à l'eau atmosphérique, on va dire, cependant il est beaucoup trop clair, beaucoup trop blanc avant que je puisse le mixer euh, avec cette image là, donc euh, je vais encore euh, corriger euh, carrément avec un nœud de type color RGB curve que je glisse ici. Je vais venir tout simplement casser tout ce qui est rouge, je vais également booster tout ce qui est bleu, et puis maintenant, alors je vais faire alors. N'oublions pas que je suis dézoomé. Voilà, là je suis à 100%. Je vous rappelle V, Alt, V pour zoomer, dézoomer sur le backdrop. Là je suis plutôt pas mal. Euh, je vais maintenant juste ralentir un petit peu l'ensemble pour que la partie ici qui viendra se mélanger avec l'autre image ne n'influence pas trop par contre je vais, je vais garder cet effet bleuté pour garder cet effet atmosphérique par-dessus la terre on va d'ailleurs voir tout de suite ce que ça donne on va faire un shift d sur ce nœud. on va l'injecter euh, ici, on va prendre la sortie de notre mix node et puis je vais ajouter Shift D un viewer pour voir à cet endroit ce que ça donne. Voilà le résultat. Alors j'ai quelque chose d'assez intéressant, si ce n'est que j'ai quelque chose de beaucoup trop fort ici. Euh, si on compare, hein. je ne vois plus du tout la surface de la Terre. Donc on va essayer de venir... de réduire Fortement, ou alors une autre option, ça va être de jouer sur le facteur ici, et puis de le réduire considérablement. Vous voyez qu'avec mon facteur à 0, alors j'inverse, je switch, avec le facteur à 0, j'ai 10 masses de référence, et puis maintenant je viens avec un petit peu d'effet. Là, je suis déjà trop, j'ai l'impression. Ou alors, je peux aussi essayer de compenser sur les curves. Non. Je vais alors laisser à 0,2, 0, ça me plaît qu'il y ait du bloom aussi un petit peu sur les continents, par contre, peut-être que ma frange n'est pas assez épaisse ici, je vais donc passer à 30 et 30 ici sur le halo, pour que ce soit plus important, peut-être un même trop grossier, et puis ici à 10 et 10, ce qui va prolonger un petit peu l'effet de halo. Je vais maintenant regarder ce que ça donne, c'est plutôt c'est plutôt pas mal ça fait presque un petit peu trop flagrant mais c'est pas grave c'est pas grave c'est intéressant et puis euh, ça, ça donne euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, réaliste à l'ensemble en tout cas réaliste d'après les vues d'artistes qu'on s'en fait et peut-être pas d'après les vues euh, spatiales euh, qu'ont vraiment les astronautes il va nous rester maintenant à mixer nos charmants petits Space Invaders on va d'abord travailler un petit peu des effets euh, de leur côté. Donc on va on va travailler un petit peu là sur du une input filtre euh, de type glare. Vous savez que le glare pour voir comment ça fonctionne je pousse le threshold le seuil à zéro pour voir exactement ce que ça donne. C'est évidemment trop important. Donc on va on peut jouer sur le threshold encore une fois, on peut jouer sur le nombre d'itérations. Pour avoir quelque chose de plus propre, on peut aussi jouer sur le nombre de streaks, donc le nombre de bâtons et de rayons qui vont être projetés. Je trouve que c'est pas mal. Et puis on peut jouer sur le fade pour rendre les bâtons un petit peu moins longs et un petit peu moins intenses. Voilà. Mais bon là j'ai presque un petit peu trop quand même. Hein. Voilà. Faut quand même que bon, euh, on peut pousser sur les effets, c'est clair, mais plus on en met, plus plus, plus, plus des fois c'est flagrant et plus on, on rentre dans le kitsch. Ce qu'il y a c'est que ici, maintenant je commence à l'apercevoir, alors qu'ici j'ai l'impression que c'est trop flagrant, mais bon. On verra ce que ça donne une fois que ce sera mixé avec euh, notre terre. Je vais d'ailleurs faire un shift D. On va utiliser aussi un nœud de type add. Je vais injecter la Terre, je vais injecter les Space Invaders et on va regarder. Alors, est-ce que j'ajoute encore un viewer Pourquoi pas. Output Viewer, ça permet de pouvoir assez facilement passer d'une image à l'autre et de voir l'influence des différents effets. Et j'ai effectivement mes Space Invaders. Alors, euh, j'étais à 0,3, donc je vais le pousser à 1. Et puis, cette fois, j'ai vraiment le rendu de mes Space Invaders et de ma Terre. Avec un Alt V pour venir en 100%, je me rends compte un peu du résultat. Un peu Kitsune ici, un peu Kitsune par là aussi, peut-être, mais euh, c'est pas grave. Je, je vais les garder ainsi, et puis on va garder notre compositing de la sorte. Je vais d'ailleurs finaliser en injectant. Le dernier nœud dans le nœud compositor, hein, il ne faut, il faut euh, pas l'oublier. Et puis d'ailleurs, je pourrais maintenant passer par l'UV Image Editor pour voir euh, ce que j'ai exactement en output. J'ai quelque chose d'assez intéressant. Et puis si j'ai vraiment envie maintenant de voir ce qui se passe aussi, je vais rouvrir un petit peu ma timeline. Je vais venir me placer, pourquoi pas, à ce niveau-là, là où la Terre est un petit peu plus loin. Et puis je lance un rendu pour voir ce qui se passe. Nous voilà après 200 passes. Je vais passer dans l'UV Image Editor et puis on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on aura des Space Invaders qui vont commencer à avancer et qui vont s'éclairer au fur et à mesure qu'ils avancent et certainement qu'ils arrivent un peu plus dans l'influence du soleil euh, notre terre est plutôt sympathique, l'effet à l'eau, on détecte les lumières c'est pas trop grossier, on n'a pas trop d'éclairage ici dû aux autres lumières ce qui nous laisse deviner mieux les nuages et on, dev, on, on verra mieux tourner d'ailleurs euh, les nuages dans notre animation donc on est quasiment euh, ready to go pour lancer l'animation là vous voyez qu'il a fallu une minute et des poussières pour générer euh, les 200 passes, à savoir d'ailleurs que les 200 passes sont générées d'abord sur le calque numéro 1 avec la terre puis 200 passes sur le calque numéro 2, donc euh, avoir du compositing et du layer et tout le tout team, évidemment que ça nous ralentit euh, ça nous euh, ralentit fortement les temps de rendu, en tout cas euh, ça, ça peut rapidement les gonfler, donc on ne faudra pas perdre de vue tous ces aspects là ce que je vous propose encore de faire puisque c'est euh, euh, toujours une option euh, que je, je, à laquelle j'adhère, c'est d'ajouter un, une color balance à notre euh, phase finale de compositing. On va essayer de se faire un petit peu de place pour voir ce qui se passe. Je vais insister un petit peu sur les bleus dans les tons foncés, alors pas trop. Je vais peut-être foncer un petit peu mes tons foncés, mais attention, pas trop. Donc là, euh, j'ai un petit peu exagéré. J'ai envie que la Terre quand même reste assez visible. Et puis, on va aussi, pour les tons clairs, taper un petit peu dans le bleu. Ça va donner euh, quelque chose d'un petit peu plus intéressant là. Et puis, est-ce qu'on essaie de les réduire légèrement pour casser un petit peu l'effet Bloom ici en gardant le halo on est on est plutôt pas mal on a l'ensemble qui est connecté au compositeur il faut qu'on fasse euh, certainement les ajustements de dernière minute et le dernier contrôle avant de lancer le rendu on va donc euh, pour faire les derniers contrôles alors on passe ici on fait un contrôle s au niveau du node éditeur hein, on, on vérifie bien que tout est injecté au bon endroit c'est ok. Au niveau de la vue 3D, on va contrôler TN. Pour virer les deux panneaux, on va contrôler qu'on qu a bien l'option dans le post-processing compositing qui est coché. Pour être sûr que l'ensemble soit pris. On est bien en 1280-720 à 100%. Frame 1 à 250. Je vais avoir 200, frames par, par 200 passes par frame. Et euh, ah oui, il me reste à créer un petit dossier dans lequel je vais aller récupérer ces images. Alors, je vous propose, dans le dossier de travail, de créer un dossier qu'on va appeler Frames. Je vais aller sélectionner ici le dossier de sortie. Alors, on va le faire à la mano, qui va être du Frames. On check qu'on est bien au bon endroit. Ce sera ici, Accept. Euh, alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça se passe d'habitude euh, On vient là, on sélectionne notre frames, accepte. Ok, ça, ça doit être la bonne syntaxe. Maintenant, on va avoir de PNG. Oui, euh, transparent. Oui, on va vérifier avec le mode matériel que tout est bien calé au niveau de nos keyframes. D'ailleurs, que tout est bien allumé, l'atmosphère. Nos, notre, euh, nos Space Invaders bougent. Hein, vous voyez Vous voyez la boulette Vous voyez la grosse boulette C'est que la caméra euh, recule, et que, enfin la caméra avance, et puis j'ai tout le bazar qui vient dans le champ de la caméra, donc il faut encore qu'on fasse un petit ajustement. Désolé pour la coquette. Je voulais vérifier. vous Voyez que c'est important. Hein Avant de passer 2 euh, heures, 3 heures, 6 heures ou 8 heures de rendu, vous devez être sûr que c'est béton. Hein donc, euh, ça, c'est vraiment, euh, ben voilà, le, 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 le cas. Euh, et je fais vraiment pas exprès qui vous démontre que on n'est pas loin d'une coquette. Moi, je voulais absolument contrôler que l'ensemble de la Terre tourne. D'ailleurs, je remarque que l'animation freine au niveau des nuages. Donc, je vais sélectionner mes nuages. On va les contrôler dans le Graph Editor. Est-ce que je l'avais fait ou pas Non. Que ma rotation est bien linéaire. Euh, j'ai pas sélectionné le bon. Donc, on va là. Je vais même les dégommer pour être sûr de sélectionner le bon. Voilà, je veux quelque chose de linéaire. On a bien notre terre. Nos nuages tournent Oui. Est-ce que notre terre tourne Oui. Je vois l'Afrique qui se déplace. L'atmosphère restera au même endroit. Maintenant, on va Alors, venir au frame 125. Euh, il faut que je sorte du champ de la caméra tous ces artistes. Donc, il va falloir qu'on ajoute, évidemment. Je vais rouvrir le panneau ici. Il va falloir qu'on ajoute des keyframes. Je vais faire un G, Y, en espérant que ça ne va pas altérer toute mon animation. Mais ce qui va se passer avant le zoom de la caméra. Allez. Ce qui va se passer avant le zoom de la caméra, euh, ce sera en dehors du champ de la caméra. Donc, on s'en préoccupe pas. J'ai oublié d'insérer le keyframe location. Ici, j'ai Y. Il est sorti du champ de la caméra. I e location. J'ai Y. Il est sorti du champ de la caméra. Allez, allez, allez. I e location. Et Y. Il est sorti du champ de la caméra. Comme il faut. I. Location. On va retester l'ensemble. On a notre caméra qui se déplace. Nos Space Invaders. Voilà. Qui vont arriver au bon moment. Et puis, on aura en toute phase finale. Peut-être que ça a altéré un petit peu l'arrivée. Alors, on peut la jouer aussi en faisant un Alt A. J'aurais envie qu'arriver à la moitié, on commence à avoir du Space Invaders qui qui rentre dans la boucle. Alors vous voyez que le fait d'avoir ajouté mes mon entrée ici a largement décalé celui-là durant son arrivée, largement décalé celui-là, ce qui était une assez mauvaise nouvelle. Alt A pour a a arrêter l'ensemble. On va peut-être ici. Alt-I, -E, je delete le keyframe, G, Y. J'avais envie qu'il aille plus vite qu'avant, mais on va le mettre ici. I, e, location. J'espère que l'ensemble a été conservé. Voilà. Il rentre, il rentre plus tôt dans le champ de la caméra. Hein, ce qu'ils vont rentrer trop tard dans le champ de la caméra? C'est ça qui va, qui me chagrine. Allez. Alt-I, -E, je fais du fan tuning, G, Y. Vous voyez que dès qu'on attaque de l'animation, euh, c'est pas de la tarte i e location ici alt i -E, tilt keyframe i e. euh, avant de le rajouter je vais faire un g y je vais le faire affleurer ici mon animation je fais un i e location évidemment qu'au niveau du graph editor pour tous mes space invaders j'aurai à nouveau en tout cas pour ceux que j'ai modifiés, j'aurai à nouveau des tangentes. Alors ici on est pas mal, on peut la réduire. Ici la réduire. Tip top. Et puis pour celui-ci, on va faire pareil. On va dégommer ça. On va dégommer ça. Et puis vous voyez que ben bon, il se déplace. Bon, là, la limite ce qui se passe avant le frame 125 m'intéresse moins. Mais à partir du frame 125, il faut que l'équipe rentre dans la danse. On est pas mal. Alors ici j'aurai l'ensemble qui n'est pas apparu. Et puis à ce niveau-là, on aura vraiment la sensation d'avoir vu. Je vais me mettre un petit coup en mode rendu. Je crois qu'il ne faut pas négliger le temps à passer euh, vraiment sur euh, ces options. D'animation avant de lancer le rendu, parce que sinon ça peut être vraiment la grosse, la grosse catastrophe. Même si par exemple je vais être très content de mon frame 0 à 125, l'avantage d'avoir généré 250 images clés et pas une animation, c'est que si je dois recommencer quelque chose, ce sera la frame 125 à 250 uniquement. Ok, je crois qu'on est pas mal du tout. Cette fois, je, il me manque par contre mon atmosphère. Non, elle est là. Ok. Donc on va passer en mode solide, et puis je vais. CTRL S, faire une dernière vérification, l'ensemble apparaît comme il faut, on va donc s'apprêter à cliquer sur le panneau de rendu. Alors là, c'est toujours un moment intéressant puisque euh, vous verrez, on va, bon, je, je mettrai une petite pause parce que je pense qu'il y en a pour un bon, bon moment à me faire les 250 images. Start frame 1, end frame 250. Allez, notre node compositing est toujours bien connecté. Il n'y aura pas de mauvaises surprises, non. On repasse au mode 3D. On fait une sauvegarde avant de lancer le rendu. C'est une évidence. Allez, c'est parti. Je crois qu'on a tout contrôlé. Je clique sur rendre l'animation et non pas le, évidemment, l'image. Cette fois-ci, on est parti pour euh, quelques heures de rendu vraisemblablement. Donc, on va suivre ensemble juste le départ pour voir ce qui se passe. Je suis bien sur la frame 1. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est de voir que je vais euh, avoir mes frames ici qui apparaissent au niveau euh, du. Du, de mon dossier. Euh, ma carte graphique est fortement sollicitée, donc euh, ça commence à laguer un petit peu au niveau de l'interface graphique de Windows. Ça, c'est le avantages de l'accélération GPU. Le CPU, quand il est au taquet, euh, votre appareil est gelé. Le GPU, quand il est au taquet, c'est votre interface qui est gelée. Donc au final, on peut pas utiliser l'ordinateur en même temps. Hein. Ça, c'est euh, du flagrant. On ira évidemment contrôler euh, l'ensemble, euh, peut-être les, les 100 premières images au niveau du, du dossier frame. Vous voyez que alors là, je suis quand même étonné, ça va pas mal vite hein, sur les premières, parce que j'ai pas les space invaders. À noter d'ailleurs que j'aurais pu ajuster peut-être un petit chouïa de quelque chose, c'est que mes space invaders sont moins bien éclairés puisque j'ai pas animé les lampes. Hein, faute de temps peut-être, mais que si j'avais animé des lampes... Euh, en même temps que mes Space Invaders, ou si j'avais pourquoi pas trouvé une solution comme ajouter à chaque Space Invaders sa propre lampe directement dans l'objet Space Invaders afin qu'il soit automatiquement éclairé un minimum, ça aurait pu euh, être une solution par exemple. Donc là, euh, soyez imaginatif, euh, essayez d'améliorer euh, le principe. Euh, pour le tuto, on va, on va en tout cas en, en rester là. Je dois dire qu'il y a toujours énormément de temps euh, que j'aimerais passer en plus pour finaliser mes, les rendus que je vous propose, mais on est toutefois limité. Question timing. Alors, je suis assez content de voir que finalement les premières passes passent assez vite. On est à la frame 3. Vous voyez qu'il me faudra aller jusqu'à la frame 25 pour avoir une seconde d'animation et qu'on tape dans les 30 secondes là. Là, il me fait la deuxième passe, puis le compositing. Ok, donc ça a l'air de bien se passer. Hein. Je vais essayer de ramener mon en bon, Mais voilà, la première frame qu'on va obtenir, la deuxième et la troisième. Je viendrai contrôler un petit peu plus tard que euh, l'ensemble se passe bien et puis que effectivement on a. On a bien l'animation qui se déroule comme il faut puisque euh, si nécessaire je peux à n'importe quel moment et ça c'est un gros avantage interrompre l'animation en venant cliquer euh, sur euh, stop render ici simplement et si j'ai déjà généré 25 les 25 premières images clés je ne vais pas recommencer l'animation depuis le début non 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 je vais recommencer depuis la frame 25 et je vais économiser des quelques précieuses euh, minutes euh, de temps de rendu Bon, je vous retrouve plus tard. À tout de suite. 4h30 plus tard, nos 250 frames sont enfin publiés. Ma GTX 560 Ti n'a pas démérité, mais il a quand même fallu 4h30 pour faire euh, l'ensemble des frames. Pour constater d'ailleurs que j'ai un petit détail qui, qui me chagrine, c'est que euh, le background euh, avec les étoiles euh, passe à travers mes jolis Space Invaders. La faute au compositing, euh, on va d'ailleurs en profiter pour faire cette correction-là. Vous voyez qu'avec tous les contrôles et recontrôles et surcontrôles que j'ai pu faire, j'ai quand même manqué quelque chose. Donc ça, c'est euh, inhérent à tout projet 3D. Et la petite boulette vient simplement du fait que j'ai utilisé un noeud add pour mélanger le, le calque euh, des Space Invaders avec euh, la terre et mes, mon effet glow et mon background. On va utiliser exactement la même technique de masquage pour euh, corriger ça. Et plutôt que d'utiliser un nœud de type Add, je vais le changer pour un Mix Node, et je vais utiliser le, la valeur alpha de mon de, 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 du calque des Space Invaders ici dans l'input de facteur pour corriger ce détail. Et vous voyez à présent que je ne vois plus euh, les étoiles du background passer à travers mes Space Invaders. Alors on serait tenté de tout republier, mais comme je vous l'ai dit à maintes reprises, euh, l'avantage de le faire frame par frame, euh, au moins on en aura vu un cas concret, c'est que les 125 premiers frames, on ne voit pas les Space invaders de mon animation, ce qui me laisse euh, entendre que je peux recommencer à générer mes images clés uniquement à partir de la frame 125. On va donc ici euh, changer la valeur. À 125 pour comme start frame, et puis on va aller bien sûr jusqu'au 250. Il va falloir malheureusement au moins repassionner euh, deux heures pour euh, avoir l'ensemble du rendu. Donc vous imaginez que, bon, à la maison, tranquille, le soir ou le week-end, on peut se permettre de choses dans un, un environnement professionnel. Il faut évidemment éviter ce genre de pertes et de c'est vraiment une perte de productivité. Donc il faut qu'on acquérir les bons réflexes et avoir des contrôles de qualité tout au long de la chaîne de production. Je l'ai fait juste avant de recommencer le screencast. Donc j'ai tout simplement créé un dossier qui s'appelle Frame 2 dans lequel j'ai copié-collé les 125 premiers frames et puis j'ai récupéré les euh, 125 derniers jusqu'au frame 250 qui cette fois est parfaitement propre. Si vous voulez un petit point de comparaison, on va aller ouvrir le frame numéro 250 de mon premier dossier et vous voyez clairement que j'ai cette étoile particulièrement qui me gênait. Cette un détail là aussi hein, on le voit à travers tiens on voit la terre à travers euh, à travers le space invader donc c'était pas propre pour 10 secondes d'animation ça aurait pu passer j'aurais pu les laisser mais perfectionnisme oblige j'ai pas pu m'empêcher d'aller euh, en tout cas le corriger au moins pour vous montrer la, la solution il nous reste à présent à pour terminer ce tutoriel voir comment maintenant réaliser un fichier vidéo à partir de ces 250 frames alors je vais euh, vous faire un petit aperçu on va pas rentrer dans les détails mais on peut travailler avec, euh, avec blender pour faire euh, cette opération euh, pour ma part, j'ai la chance d'avoir accès euh, à mon travail, à une Adobe Master Collection, donc euh, je serais plus friand d'utiliser du Photoshop que du Bing, que du GIMP et d'After Effects plutôt que du montage vidéo dans Blender. Mais avant de vous euh, montrer euh, pourquoi pas la timeline dans After Effects, on va faire un petit passage dans Blender pour voir comment créer le fichier vidéo à partir de ces 250 frames. Nous allons pour ceci euh, tout d'abord rétablir comme il faut notre timeline. On va euh, proposer donc le Star Frame A1 et le N Frame à 250 Nous allons faire un petit tour dans euh, la fenêtre Movie Clip Editor. Nous allons cliquer Open. Sélectionner dans le bon dossier la première frame euh, de notre animation et euh, Blender on va automatiquement charger toute la séquence avec laquelle on peut jouer pour admirer l'enchaînement de nos 250 frames, qui est plutôt euh, assez propre et euh, bien présenté dans Blender. On retourne sur la vue 3D, on va maintenant regarder une autre petite astuce qui est... Euh des, des types de compositions, euh, disons des compositions différentes de fenêtres en fonction de des besoins. Généralement euh, j'aime bien les switcher, faire moi-même la sélection des, des, des fenêtres qu'on utilise, mais vous voyez qu'ici on nous propose euh, une option vidéo editing pour euh, nous faciliter l'accès à toutes ces fenêtres, euh, c'est chose faite. J'ai ici un aperçu, je retrouve ici mon Graph Editor, et puis j'ai qu'à ajouter maintenant sur ma timeline un clip qui est le 001.png qui est le, le clip que donc nous avons euh, chargé. Elle est venue automatiquement se placer à la frame 8.2, visiblement. Je vais lui demander de commencer à la frame numéro 1. Et je vais avoir cette fois mon animation avec toutes mes frames qui est directement euh, proposée sur la timeline. Vous voyez à partir d'ici que Blender permet de gérer différentes pistes. On peut y ajouter de l'audio, on peut lui ajouter euh, des effets. Euh, vraiment, ça, 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 semble être un outil très complet. Je vous avoue que euh, je suis pas un utilisateur régulier de, de la table de montage de Blender, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude d'utiliser des outils différents qui accélèrent grandement ma productivité. Mais disons que si, à partir de là, nous voulions simplement créer euh, un fichier vidéo, il suffit à présent de retourner dans euh, pas ma vue 3D. Non, non, non. Alors j'avais le vidéo sequence editor ici, je vais tout simplement retourner euh, dans ma vue par défaut. On va sélectionner cette fois la publication, en euh, format vidéo. Je vais choisir le codec H264 qui est euh, à mon goût le plus performant en termes de qualité poids sur la sortie. On va également euh, choisir dans l'encoding, un format que je préfère être du, du QuickTime. Vous voyez qu'on va pouvoir modifier le bitrate, qu'on va pouvoir vraiment venir ici paramétrer, finalement, presque euh, aussi bien que dans un outil professionnel de d'édition de, de vidéo. Je vais donc m'assurer que j'ai bien ces paramètres-là. On va également s'assurer au niveau post-processing qu'on a le, la coche sequencer qui est cochée, puisque c'est de là que, que provient la, la timeline. Euh, le Video Sequencer euh, Blender, donc le, cette timeline où on peut ajouter des pistes vidéo les unes sur les autres. Il me suffit maintenant de cliquer sur Animation et vous allez voir que euh, Blender va maintenant passer les 250 frames les uns après les autres pour générer l'animation. C'est assez plaisant parce qu'on voit l'animation se dérouler au fur et à mesure. Je, je trouve d'ailleurs que les temps de rendu sont, on, sont assez rapides. Et je devrais retrouver ensuite dans mon dossier Frames. Qui est le dossier d'output? Je devrais retrouver dans mon dossier ici maintenant une séquence vidéo que nous allons pouvoir admirer ensemble. On va juste la recadrer. Voilà. Une séquence vidéo avec ma terre qui tourne, mes nuages qui tournent et l'espace Invaders qui arrive et cette fois plus aucun défaut euh, à l'écran. Voilà, nous sommes euh, arrivés à la fin de ce tutoriel. On va peut-être encore euh, discuter un petit peu ou critiquer un petit peu euh, l'ensemble. Euh, je trouve que vraiment la terre sort bien. Le halo et, et finalement le compositing par-dessus, ce qui donne vraiment un gros bloom sur l'eau de la terre. L'effet atmosphérique euh, finalement avec ces matériaux cycle sort plutôt bien. Je, je pense peut-être que... Alors l'animation me plaît beaucoup, la caméra qui se rapproche, les space vendors qui, qui finissent par arriver, vous avez vu dans, dans l'animation d'intro que j'en profite pour faire un fondu hein, et un, un ajout de texte ici, donc euh, ceci ça a été réalisé dans After Effects, je vais d'ailleurs rapidement vous montrer le projet. Et puis alors là, ce que vraiment je regrette, c'est peut-être l'éclairage sur mes Space Invaders. Évidemment, j'ai qu'un seul modèle. J'aurais pu en faire beaucoup plus. On a minimé beaucoup plus, arriver avec beaucoup plus de détails. Euh, pourquoi pas avoir de l'éclairage plus intéressant Je trouve qu'ils sont peut-être trop discrets. Enfin bref, les goûts, les couleurs. Euh, J'aurais envie de passer évidemment encore énormément de temps sur ce montage, mais euh, comme vous le savez, notre temps est précieux. Même quand c'est du loisir, il y a un moment il faut savoir s'arrêter. Donc, euh, je me suis contenté de, de ce format-là pour pouvoir ensuite passer dans After Effects. Le principe est exactement le même. J'ai chargé les séquences d'images PNG directement dans After Effects. Et vous voyez que, alors là, je suis beaucoup plus à l'aise pour faire le travail. J'ai exactement euh, la même production, euh, si ce n'est que j'ai évidemment ajouté du texte et que j'ai ajouté du son. Euh, au niveau des pistes audio, un petit whoosh qui fait l'arrivée du, du texte, et puis un petit bande son un peu science-fiction pour accompagner le tout, un lens flare qui vient traverser l'ensemble, lens flare d'ailleurs qui est animé euh, puisque vous voyez que les petits halos, les petits spots ici bougent à l'écran. Donc voilà euh, vraiment un, un travail que je trouve assez soigné finalement au final, euh, puisqu'on a un une énorme quantité de petits éléments qui ajoutent vraiment quelque chose d'intéressant à la scène. Je trouve pour moi, vraiment, par rapport à tout ce que j'ai pu voir euh, en ligne, ce qui ajoute vraiment quelque chose de, de sexy à cette Terre, c'est euh, la rotation des nuages un peu plus rapide que la rotation de la Terre. Ça vient très clairement, ça se voit très clairement, c'est sûrement trop rapide, mais ça apporte vraiment euh, quelque chose de, de convaincant euh, à cette planète. Voilà, je, je me réjouis de, de vous retrouver pour d'autres aventures. Je me réjouis également de voir euh, le résultat de, de vos créations. Continuez à m'envoyer des messages à thierryatcopilote.ch. Continuez à, à me poster des images, pourquoi pas sur Facebook, ou des commentaires directement de la, des articles sur copilote.ch. Je me réjouis de vous retrouver pour d'autres aventures. Je vous dis à bientôt.